money, including in reparations, is also our right to be here. Our right to work here. Our right to have better lives here. Yes. Yes. No more slavery. No more slavery. No more slavery. No more slavery. No more. An dieser Stelle muss betont werden, dass alle gegenwärtigen Formen von Versklavung schwarzer Menschen in Erinnerung rufen, dass die weiße Vorherrschaft und westliche Hegemonie auf Völkermorden, Deportationen, Versklavung unserer Ahnen und Ahnen und auf kolonialen Strukturen aufbaut und dass die westlichen Länder diese verbrecherische Geschichte immer noch nicht aufgearbeitet haben. Daher fordern wir die westlichen Länder auf, sich der Verantwortung zu stellen, ihre Verbrechen gegen Afrika und schwarze Menschen weltweit anzuerkennen und Reparationen und Entschädigungen zu zahlen. Was ist unsere Antwort auf 3000 Tote im Mittelmeer? Unsere Leute sterben dort. Was ist unsere Antwort auf eure Kriege? Wenn Sie von Verhältnissen, von menschenwürdigen Verhältnissen und humanitärer Hilfe reden, dann meinen Sie damit, dass Sie alles tun werden, die globale und ökonomische Apartheid aufrecht zu erhalten. Mit allen Mitteln, ob durch Vernichtung, Deportation, Kriminalisierung oder Vereinnahmung. Dieser Kontinent, dessen Einheit auf einer brutalen Geschichte beruht, die Vernichtung anderer Völker, die tägliche Ausbeutung und Zerstörung von Mensch und Natur auf der ganzen Welt. Que vous voyez, ces gens de la France, ils sont le pays le plus criminel au monde. C'est eux qui financent l'esclavage en Libye. Ils étaient le premier pays à détruire la Libye. Ils sont le premier pays à détruire l'Afrique. Ils sont le premier pays à détruire tout ce que l'Afrique est en train de construire. Oui. Ils sont le pays qui a colonisé de plus de pays en Afrique. Nous voulons vous dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de la puissance coloniale française en Afrique. Nous ne voulons plus de vous en Afrique. Nous ne voulons plus de vos sociétés. Nous ne voulons plus de vos exploitations en Afrique. Nous voulons vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, prenez, pliez vos bagages, pliez vos diplomaties. Nous ne voulons plus de vos aides. Nous ne voulons plus de vos aides. Nous ne voulons plus de vos militaires en Afrique. Ayez honte, débarrassez, nous voulons plus de vous, nous voulons vous débarrasser de nous voulons que vous quittez de l'Afrique. Nous voulons vous dire qu'aujourd'hui, nous les Africains, on est prêts à nous défendre, quel que soit le sang qui va se couler. Exactement. On va libérer nos frères, on va libérer l'Afrique. Exactement.
Arrêtez de manipuler le monde. Arrêtez de manipuler le monde en disant que vous n'êtes rien de cet esclavage. C'est votre argent qui a servi à l'esclavage aujourd'hui. C'est vos armes qui ont servi à détruire la Libye. Ayez honte qu'aujourd'hui, les fils africains sont devant vos consulats pour divulguer la vérité. On n'a pas besoin de vous. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Je finirai à vous dire. Avec vous, sans vous, l'Afrique continue de vivre. La liberté en Afrique, nous allons nous développer, nous allons nous battre, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous serons libres. Je vous remercie. Solidarité, oh, vie, internationale, solidarité. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter.